Nous allons reprendre le cours des compétitions. Je vais demander aux juges des Senior 3 Standard de vouloir venir sur la piste. Please, adjudicators of the WSF Senior 3 Standard, would you like to take the floor? Et je vais demander au premier passage de la valse de venir vouloir rentrer sur la piste, s'il vous plaît. Please, hit number 1, would you like to take the floor for your course? Et le chairman va compter le nombre de couples puisqu'ils sont 14. The chairman will check. If we are 14 couples on the floor. Yes, so I have to call the number and you raise your own hand. 63. 63. Capon, 63. Ah, 63, oui, il faut jeter en français aussi, c'est vrai. C'est mieux. 65, 65. 65. 65. Le chairman note, on verra tout à l'heure. 72, 72. 75, 75. 75. 80. 83. 83. 83. 83. Il a dit ça. Yeah! Alors j'explique au public, hein. La langue de ces compétitions internationales est l'anglais. Et j'y ajoute bien sûr le français, puisque nous sommes en France pour vous, public. Mais évidemment, parfois il y a des Russes et des Italiens qui comprennent pas mon anglais. 87, 87. 92, 92. 93, 93. 102, 102. 102, 102. 120 en italien. Ah, 109, 109. 116, 116. C'est bon. Allons, on peut y aller pour la valse anglaise. Musique. Il nous manque un juge. Voilà. D'habitude, il nous manque un couple. Mais là, il nous manque un juge. Et il faut savoir que le chairman est le responsable des juges. Et quand il regarde les compétitions, évidemment, il doit s'assurer que tous les couples sont là. Et il doit s'assurer également que tous les juges sont là. Et quand un juge a commencé à juger une compétition, il doit la juger jusqu'au bout. Et comme le complexe est assez grand, comme j'ai annoncé des choses en anglais, en français, et que le juge n'est ni anglais ni français, bah parfois,
il y a des informations qui passent un peu moins bien, si ce n'est que, bien sûr, les juges ont quand même des horaires qui leur sont communiqués par le chairman. On va dire, ça, apparemment, ça se dit, il manque un juge. C'est assez rare, mais ça arrive. Est-ce qu'on peut dire si on l'a localisé déjà? S'il y a un groupe de spéléo qui est parti déjà à la recherche? Pour que les juges nous fassent une petite valse. Si on mettait une petite valse pour que les couples puissent. Voilà, c'est Eric. Eric Lupini, qui est à la musique. Une petite valse, tranquille, une petite musique de fond, les couples ils font 1, 2, 3. Quelle sera la réaction du chien? Va-t-il réintégrer le juge? Va-t-il l'exclure? Quels sont les règlements à ce sujet? Voilà, les couples, c'est pour vous. C'est quand même un mouvement en mode. Un petit échauffement pour vous, les juges. Les couples, ah, j'en veux pour les couples, les juges. Faites-le en pas basse, par exemple. En I basic 7. D'après ce que j'ai compris, le chairman a pris la décision de remplacer le juge par un autre juge. Mais le vrai juge arrive. C'est un rebondissement. Musique valse lente, ça devrait aller, les couples, c'est parti, on les chose. Il t'observe du coin de l'œil. Tu t'énerves dans ton fauteuil. Lui te caresse du fond des yeux. Toi, tu te laisses en bas son jeu.
Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, je remarque une chose. Et moi, dans mon coin, je range mon frein en voyant venir la fin. Lui, il te couvre, fiévreux de mort. Toi, tu approuves en souriant. Lui, il te guette, et je le vois. Toi, tu regrettes que je sois là. Si. C'était votre premier passage. Le second passage, je pense que le chairman va à nouveau vérifier si tous les couples sont là, parce que, en fait, on a 27 couples déqualifiés. Mais souvent c'est 24. Et nous devrions avoir 13 couples sur la piste. Je suis la seule qui me propose un record. Musique. Musique.